Allez, on est reparti. Alors, les mines de Lek. On n'était pas encore rentré dans les mines. On avait sauvegardé Non. juste devant. C'est ça. Donc, alors pour rappel, on nous demande d'aller dans les mines pour déglinguer un monstre qui fout le merdier. Apparemment, il grogne, il dérange, il met de la tectonique à fond. Bref, faut qu'on le déglingue. En récompense, on aurait le passe du bateau. Exactement. Rappel un petit peu plus exhaustif. On dirige un personnage, un gosse qui veut partir à l'aventure. Il en a déjà mené une petite dans des ruines dans lesquelles il s'est introduit de manière illégale. Et puis il a découvert une salle avec l'hologramme d'une femme qui lui a dit rejoins-moi à Alent. Je t'attends. À plus dans le bus. Donc notre héros va se mettre à la recherche de cet endroit, même s'il a pas la moindre idée d'où est-ce qu'il doit aller. Pour le moment, sa piste, c'est qu'il doit traverser la mer. On va attendre longtemps cette personne. Alent, c'est... c'est pas pour tout de suite. Alors, par contre, les mines, c'est v'là comment que c'est grand. C'est drop ça? Un vêtement de travail. Ouais, bon. Pas extra, mais quand même mieux. Ah. Zut, une flèche dans le vent. Ah! J'ai un perso de... J'avais un perso de paralysé. Donc voilà, quand on réussit à faire un contre sur un ennemi, ça le stop. Ça peut éventuellement l'interrompre, mais aussi et surtout, ça lui fait plus de dégâts. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'à droite de l'écran, j'ai une espèce de barre de ligne de pixels. Alors, est-ce que c'est RetroArch qui est pas bien configuré ou alors est-ce que quoi? Sur la droite de l'écran. Ouais, il y a une espèce de barre un peu folle, mais bon, on va laisser pour l'instant, mais à terme, il faudra s'en débarrasser. Hop là, double level up. Alors des endroits comme ça, pour moi qui n'ai pas le sens de l'orientation, c'est juste parfait.
On va affronter tout ce qui nous renifle de trop près, mais bon. Il est plus ou moins évident qu'on va essayer d'esquiver les combats à l'avenir. Après tout, si j'ai besoin de m'entraîner, c'est à ça que sert le hardstream. D'ailleurs, t'as pas fait de session d'entraînement. Ah, aucune. C'est peut-être pas nécessaire au tout début, on va dire. Oui, oui, oui. Pour l'instant, on est encore dans la découverte. Le jeu a pas l'intention d'être putassier. Des bottes en caoutchouc. Plus en défense et 20 coups. Non. Que j'ai loupé quelque chose par là ou pas. Ah. Qui fait du bien, pas trop coûteux à utiliser et assez facile à réutiliser. Notre grenade. What a fish. Qu'est-ce qu'il dit?
Hop là, tiens. Mets donc une matraque au lieu de dire des bêtises. Main que c'était 7 et 5, je sais plus. Y a une compétence qui nous sera à terme relativement utile. C'est l'onde de choc, je crois. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais quand Justin l'aura, il sera capable de massacrer plusieurs ennemis d'un seul coup. Ça va rendre les combats futurs beaucoup plus rapides. Hein. D'accord, donc il y avait juste le sac d'or dans ce coin. On se casse. Voilà. Là, il y avait peut-être bien un sac d'or. Ah ! Mais bordel ! D'accord, donc il n'y avait vraiment rien. On avait tout récupéré dans ce coin-là. Très bien. Bon, bah, puisque c'est comme ça, on se casse. Zone suivante. Donc on a l'air d'avoir une corde pour monter et descendre.
Ah, tout de même. Oh. Quelque chose de mieux. Ah, quelque chose de bien mieux. Un marteau de mineur. J'étais passé par là. Et du coup, il y avait un tas d'or. Donc, oh, oh là, oh là. Ne tombe pas. Ah, ah. Ah! Sans déconner, cette vitesse de déplacement. Le casque de la sécu. Hop là. Par ici la monnaie. Épée tremblante, pas très acérée. Ok. De toute manière, là, on est à la matraque. C'est bon, on est assuré. Il n'y a plus rien. Point. Et il n'y a plus rien dans ce coin non plus. Bon, très bien. A priori, dans le trou, il n'y a rien du tout. Donc on va juste tomber une hache. Précisément une hachette. Ah d'accord. Alors non seulement un petit peu plus faible que le marteau de mineur, mais en plus des coups en moins. Donc j'imagine rapidité d'action amoindrie. Non, non, je veux pas descendre. Voilà. Alors, verse. Ensuite, rien. Ça recoin. Ah.
J'en ai marre, dès que je prends un chemin, ça me ramène en arrière. Oh. Ah, tout de même. J'aurais trouvé dommage qu'il n'y ait rien du tout. Et que j'ai risqué de me faire déglinguer par les orques pour rien. Par contre, les chauves-souris, voilà, on le sait. Si je les détruis pas maintenant, de toute façon, elles vont me foncer dessus et elles auront l'initiative. Magnifique, elle a loupé ses deux flèches. Bouclier en chaîne, très bien. Par contre, hop là, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Les binocles de Justin étaient meilleurs que le ruban dessous. Oh, un point de sauvegarde. Hein. Cela veut-il dire? Ça veut dire, hein. Dans les RPG, point de sauvegarde, dans un donjon, c'est que t'as le boss qui est pas loin. Alors, c'est soit le boss, soit dans les gros donjons, un checkpoint. Mais là, bon, au début du jeu. Ah d'accord. Vu la disposition des objets, c'est pas un checkpoint. Hop là. Par ici, le pognon. Alors. Ah bah oui. Fire in the hole. Ah d'accord. Pas entièrement satisfait, mais bon. Alors lui, je le sens pas. Ah, je vais essayer d'enjeu, mais ça va pas marcher, je crois. Mon dieu! Ah! Ne meurs pas! Ah. L'orque était sur le point de l'achever là.
full décapitation évitée de justesse. Oh, mais ça va pas, ils sont sur elle. Elle peut pas réutiliser. Oh, objet de soin. Plante. Ça va pas la faire pour l'instant. On l'a contré de justesse. Oh. Oula. Il fait un truc. J'aime pas ça. Ah, mais il se défend en fait. Avec ça normalement. C'est bon, il est mort. Petite frayeur avec Sou, que j'ai cru perdu au début du combat. Petite déception aussi avec la grenade, il n'a pas fait autant de dégâts que je l'espérais. Et sinon ce serait pas drôle. Maintenant qu'on a bousillé le boss, la mine qui commence à s'écrouler sur notre gueule. Bon, il n'y a pas d'autres objets à récupérer. Non, c'est bon, on a tout. Ok, on se casse. Ouf! Heureusement que ce wagonnet était là. Ouf, heureusement que le deuxième wagonnet était là.
Nous ne pouvons pas faire ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Traduction. Bon, on a récupéré le pass, c'est très bien. Je sais pas où aller. Ouais. Ok. Alors un pass plein de sang, de sueur, de larmes et d'autres choses encore qui le rendent malodorant. Ah bon, on va le tenir à bout de doigt quand même. Tout le temps par tout le monde. Il va jamais finir une journée sans se faire déglinguer. On va en profiter pour déposer quelques objets à la banque. Si Sou s'est retrouvé avec une grenade. Ouais. Évidemment. Donc déjà toutes les plantes ça dégage. Le temps caoutchouc. C'est parti. Là. Ah, par contre. Ah! Par contre, c'est elle qui avait la... C'est elle qui avait la hache et tout ça.
Oui, bon. Totalement flag, hein. Father, I'm sorry. I couldn't tell Mom after all. Father, and Grandfather too. I'm going to the new continent. I'm going to travel the world just like you did. Thanks to your spirit stone, Father. The stone told me that Angelo isn't a myth. It's on the new continent. Now I know. You must have felt like this on the morning of your first adventure, too. Father? Do you think I can really be like you? Everyone that Mom tells me about was much stronger and much braver than me. Much, much more like an adventurer. You're right. This is nothing like me at all. Right, Father? I'll leave my picture here for you. I promise that I'll become an adventurer greater than you. Goodbye, Mom. I'm going. Génial la photo. Alors déjà, génial la photo, et puis ensuite, niveau départ discret. En plein milieu de la nuit, t'entends BLOM! À quel moment tu travailles pas? Et à quel moment est-ce que t'éteins pas le feu avant de te coucher? Alors. Alors c'est génial, une aventure m'attend, mais je sais déjà même plus où se trouve le port. Est-ce qu'il y avait un pont à traverser quelque part vers la route de Marna? Non, c'est pas par là. Cette architecture merdique. Ah, route du port. Parfait.
Un petit déjeuner à la mouette. Hein. Ah bah c'est le restaurant de... De la mama. Hop là, je pars. Alors, est-ce qu'on lit cette lettre ou est-ce qu'on ne la lit pas? Vas-y. Ah bah on va la lire, hein. Après tout. Ouais. Allez. Le Titanic s'en va vers un nouveau monde. Ah, cette mer bleue, ce ciel dégagé. Que de bons auspices. Ah d'accord. C'est un endroit qui ne sert à rien, très bien. Alors ça c'est la passerelle et ça un couloir.
Oula. Bienvenue chez les Rupin. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui voulait jouer à quelque chose, un petit pari, un truc. Ça ressemblait à une salle de jeu, mais non, du tout. Aïe, tout de suite la cabine seconde classe. C'est moins cossu. Oui. Des équipements un peu plus sympa. Alors j'ai 2018 pièces d'or. Et là ça coûte 150,90. Ouais, j'ai rien dépensé pour l'instant. Quand je vois le menu d'achat, je me rappelle très bien jouer à ce jeu sur ma télé en noir et blanc parce que je voyais pas le dernier zéro, en fait c'est ça représente les pièces d'or. Mais je vois très bien où est-ce que tu y jouais. Et tu n'y jouais tu y jouais à l'époque dans une véranda. Je sais, je vois tout à fait, mais moi j'ai souvenir d'y avoir joué aussi sur ma télé en noir et blanc. Peut-être que la télé en noir et blanc s'y trouvait. Non. Non. Attends, combien? 128 rats? Ah ouais, quand même. Très bien. Alors, visiblement, tout le monde est en train de dire à mon perso, retourne voir ta mère. Après, un gosse qui se balade comme ça, seul... C'est vrai, ça peut prêter à confusion. Bon, un gosse qui se balade quand même avec une matraque et une épée dans son sac. Donc une petite salle dédiée à une piscine de lave pour faire fonctionner le bateau. C'est sale des machines totalement
C'est absurde. Ah! 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 Passager clandestin. Ah ouais. Les gars, ils sont prêts à balancer à la mer des passagers clandestins, même si c'est des gamins. Bon bah à la flotte hein. Bon bah voilà, enrôlé dans la marine de force. Bon bah, bienvenue dans la vie de l'Arbin. Alors, on nous dit sur le pont. Oula, comment est-ce qu'on fait déjà? L'équilibre entre la puissance et la vitesse pour allumer, appuyer sur la touche croix, pour augmenter la puissance et la vitesse de ce qu'il y a. Chiant ce mini-jeu. Alors. Ah oui, mais je suis en train de bourrer comme un connard alors qu'il suffit de les s'appuyer. Ah, je me hais.
C'est bon, j'ai fini là. Beaucoup trop lent. Oh. Je t'en foutrais du beaucoup trop lent, moi. Ensuite, on devait aller voir les Rupins pour savoir ce qui se passe. Ah ouais. Ok, donc le mec confond la peluche avec son regretté fils. Y a des questions à se poser. Alors, la baignoire, elle est pas propre. Et voilà. Alors c'est pas grand chose. Elle m'a donné 25 pièces d'or. Bah, écoute, pourquoi pas. Hein. Allez. On a lavé le pont et on a nettoyé une baignoire. C'est une journée bien remplie. Alors, on retourne briquer le pont. Vis ma vie de moussaillon esclave. Hélas, non, c'est par là. Alors, en même temps, ça me serait jamais arrivé si la gamine était restée gentiment à Parme, bordel. Bon. Ouais, je sais. Bah alors, c'est assez là? Ose me dire que c'est trop lent. Essayez de faire un peu mieux demain.
Ça s'envoie des signaux lumineux. Pas bon pour la santé de se réveiller aussi brutalement. Oh mon frère. Ouais, non non non. Encore une erreur de traduction. Again. I'm so happy to see your smiling face. Long time no see, Captain. You look well too. Mina, I thought I'd never see the golden legacy of the legendary pirate Warren with my own two eyes. Isn't it great? To tell the truth, I had a bit of trouble. It was one trap after another. Whoever set them sure had a bad attitude. They might catch some bumbling adventurer, but they can't catch me. At the very end, though, I thought I was done for when I had these giant boulders on my tail, but I quickly found a cave in the side and jumped in. Whoa, hang on. Let's not waste a good story. Let's go sit down. You can take your time and tell me about your adventure down below. I'll have the men carry your treasure. Okay, Captain. Can you guys take care of this stuff? Yeah, sure, sure. Yeah. Catch up with you later. Ça sent un petit peu le mépris de classe, mais pourquoi pas.
Alors comment est-ce qu'on explore le nouveau monde? Est-ce qu'il y a un guide Michelin? Le pire, c'est que je crois qu'il y a vraiment un guide de l'aventurier, enfin une guilde d'aventuriers, je crois. Alors, ces aventures. Oh là, ouais. Il y a un petit nuage qui passe devant le soleil et ça y est, tout le monde panique. Non, c'est pas du tout là, mais... C'est barré par là pourtant. Ah, ça n'a aucun sens, tant pis. Ah, une mauvaise prémonition. Oula, il est pas rassuré. C'est juste un bateau au goût douteux. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ah, si j'y vais pas, qui ira? Bon bah je m'inquiète. Bon bah c'est pas sympa de te garer l'aventure. Et voilà. Nous avons déjà désormais une équipe de 3 personnes. On va récupérer un des meilleurs personnages du jeu. Et surtout, capable d'utiliser la magie du feu. Alors. Oh. Ok. Bon, très bien. Très très bien. Le but, mon but, c'était de réussir à monter la magie du feu suffisamment élevée pour qu'elle apprenne un sort bien puissant. Bon, nous voilà sur le bateau fantôme. Bien. Belle victime. Ah, Justin, tu es tout rouge. Bah oui, il vient de se faire gifler la tronche. Forcément qu'il est tout rouge. Toujours plein la tronche. Hop là. Une petite sauvegarde. Oh bah génial. Ça va spammer la magie de feu. Autant que possible. J'utiliserai la magie de feu lorsque j'aurai plusieurs ennemis paqués au même endroit. Not bad, eh?
contre, on voit que dalle, c'est terrifiant. Ah, moi l'honneur. Alors, est-ce que je touche les deux fantômes? Alors donc, voici la magie du feu. Du tout. Trois cafés. Hein. Hop là, on réitère. Expérience 10. Oh là là, c'était misérable. On va peut-être la spammer pour utiliser tous les points de magie avant de revenir au point de sauvegarde pour se régénérer. À l'époque. Ils sont de descendre ici. Non, on descend pas ici. Quel merdier. Quel merdier. Bon. Alors déjà demi-tour pour régénérer les deux pauvres petits points de magie. Ah pour l'instant très très peu de points de magie. Alors il faut savoir que ceci augmente au fur et à mesure que l'on monte des niveaux de magie élémentaire. Je sais plus exactement combien de points de magie est-ce qu'on récupère, si c'est un point de magie ou deux points de magie. Mais voilà. Oh bien. Eux ils sont paqués. Parfait. Trois d'un coup. Pretty easy, right, Puppy? Parfait. Carrément les deux. What a fish. What a fish. Alors, rien à ramasser dans les environs. Un gigot. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bateau de merde?
Ah, ça c'était la première salle. Ça permet de récupérer les petites piécettes. C'est parfait. Ah, ah d'accord. C'est pas par là. C'est pas par là non plus. Ennemi. Ah, très bien. Venez là que je vous atomise. Donc il faudra que je lance encore une paire de magie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces bestioles? Allez, brûle on te dit. Oh, flame burn 'em. Pretty easy. Mince, je sais même plus d'où est-ce que je venais. Je vais là. Salut tour. Alors donc, il y avait ça et ça. Par là, je vais où? D'accord, donc ça, c'est de là d'où je viens. Donc l'entrée normale à côté. Ah ah. D'accord, elle mène à nulle part. Très bien. À cette issue. On prend l'escalier. Allez, viens là.
Quoi? J'en ai touché que 2 sur 3? Ah, il me reste plus beaucoup de points de magie, mais je suis proche de monter de niveau. Reste combien? 3. Un peu chaud, mais c'est possible, c'est jouable. Par contre, les ectoplasmes, ça va pas le faire. What a cinch. Se casser la tronche. Bon. On reprend et on fait gaffe. Un turban de pirate. On donne ça à Sue, c'est elle qui a la défense la plus merdique. Épée amiral. Ah oui, c'est quand même un petit peu mieux que le marteau de mineur. Hop là, récupération gratuite. Alors là, normalement, tout va bien. On a largement les points de magie pour faire plusieurs brûlés. Oh, flame, burn 'em. La brûlure. Donc là, le level up, il y est. Réserve que mon personnage vise correctement, évidemment. Allez, encore. Take this. En plus, juste à côté de l'autre. Toujours pas. Il doit me rester 3 ou 4 points d'expérience de magie de feu à récupérer. 4. 4, la magie de feu passe à 4 du coup. Et Fina apprendra le lance-flamme. Et le lance-flamme, c'est quand même autre chose. Oui.
Alors par contre, on pourra le lancer peut-être bien juste une fois. Que malheureusement, ça consomme des points de magie de rang 2. Et que comme c'est une magie de... points de magie dans le jeu. Ouais. Fina a appris lance-flamme. Voilà, niveau feu plus. Oui, il y a les magies de rang 1 qu'on apprend donc automatiquement dès qu'on apprend une magie élémentaire. Les magies de rang 2 du coup qu'on peut récupérer en montant les premiers niveaux de magie. Et lorsqu'on commence à monter un paquet de niveaux de magie, là on apprend les magies niveau 3 et ça envoie du pâté. Sauf que au début de l'aventure, et très logiquement, on a quasiment que de quoi balancer quelques magies niveau 1 et une ou deux magies niveau 2. Les magies niveau 3, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, Fina par exemple a 11 points de magie niveau 1, 5 points de magie niveau 2 et 1 point de magie niveau 3. Ça évoluera tout doucement au fil des niveaux de magie, mais bon. Pour l'instant, c'est pas encore ça qui est ça. Mais on y travaille. Alors. Eh bien, jusque là, on a récupéré ce qu'on voulait récupérer. Un prédateur traque sa proie. Oui, on va sauvegarder de toute façon, il me semble. Et puis quand bien même, hein, ça va. Je reste confiant. Release the Kraken! Bon. Alors. V-Slash! Alors Sou va rester en attaque simple. On aura besoin de... Voilà, lance-flamme. On aura besoin de ces points de sort pour soigner tout le monde au besoin. Et voilà le lance-flamme. Et bien avec la brûlure, c'est que même s'il n'y a pas un grand rayon d'action, vu que toutes les cibles appartiennent au même corps, et bien tout le monde est touché. Est-ce qu'on va réussir à la détruire? Oula! Oula! Oh
Ce fut douloureux. Oh, flame burn him. Vite, on va déglaguer la tentacule qui essaie de soigner. Avant toute chose. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que là, il s'apprête à lancer un autre œil laser, et j'ai deux personnages sur la trajectoire, peut-être. Oh, ça sent pas bon, ça. Je m'en doutais. Bon, heureusement, j'ai gardé Justin, mais... Hop là. Tiens, bonhomme. Oui, bah. Voilà. On sent trop de surprise. C'est Sou qui a tout pris dans la tronche. Désintégrer la tentacule. Fait du tout. Voilà. Attendre. Je sais bien ce qu'il attend. Je sais bien ce qu'il veut faire. Donc, on aspire tout le monde près de l'œil et après, on balance une onde de choc. Ah d'accord. Ça par contre, je m'y attendais pas. Hop là. Et voilà. Et elle ne reçoit pas de points d'expérience, c'est terrible. Pas d'expérience pendant les combats contre les boss. Non, il n'y a pas d'expérience pour les morts. Ah oui. Oui. Hop là, on récupère. Hop là, on ouvre la porte qui était fermée jusqu'ici. Et voilà, donc la corde accrochée à la grue. Et on regarde petit à petit sombrer le bateau. Le mieux dans l'affaire, nous n'y sommes pour rien. C'est la faute du monstre.
Ah, donc on a déglingué un vaisseau fantôme. Alors, paraît-il qu'il n'y avait pas de fantômes à bord. Non, si, il y avait des fantômes. Mais il y avait surtout Fina avec nous pour balancer les magies de feu. On ne voulait que ça. Ils vont être en rond là. Y'a rien ici. Kumbaya mes frères, moi en tout cas. Je participe pas à votre petite ronde. De pas nettoyer le pont. Y'a rien à faire alors. Bah dodo. C'est bon, notre contrat de marin touche à son terme. Thank you.
Suffisamment briquer le pont et parler aux marins et t'en finir. Alors, la boisson du jour, le lait, ou alors jus de citron, oh, jus de citron vert. Ouais. Des PNJ qui vendent des trucs, c'est un marché idéal. Hein. Bureau renseignement club. Bon, ah, visiblement c'est pas le boulot qui les étouffe par ici. Hein. Y a des marchands et des pionceurs. La boutique de magie. Bienvenue, tu n'as pas d'œufs. Alors pourquoi je n'ai pas d'œufs ? Parce qu'il y a tout au long du jeu des objets que l'on peut ramasser et qu'on peut également rater, donc il faudra ouvrir l'œil pour ne surtout pas en louper. Des œufs mana.
Dès lors que l'on possède des œufs mana, bon là on voit en haut, c'est marqué que j'en ai zéro, j'en ai ramassé aucun. Eh bien on peut échanger un œuf contre un apprentissage de magie. Donc par exemple, si je récupère un œuf, je pourrais apprendre le feu, le vent, l'eau ou la terre à l'un de mes personnages qui ne le possède pas encore. Et puis à droite on voit la combinaison des magies élémentaires qui permet de créer des types de magie. Comme par exemple le feu et l'air qui font du tonnerre, etc. Spoiler, j'ai l'intention de prendre la magie du vent avec Justin. Direct. Rien de précieux pour l'instant. Stockage des objets, est-ce que c'est à l'auberge? Oui. Voilà, on a tout stocké ou presque. On va également enregistrer et on va s'arrêter ici. Ok. Et voilà. Donc la prochaine fois, Justin se rendra au club des aventuriers. Allez, à la prochaine. Salut. Salut.